CEDEAO, dont la vocation était économique, doit cesser de se mêler de la politique et privilégier le dialogue. Nous, Africains, nous sommes fatigués, épuisés des catégorisations dans lesquelles les uns et les autres veulent nous mener et surtout veulent nous cantonner. La population de l'Afrique est jeune. Elle n'a pas connu la guerre froide. Elle n'a pas connu la guerre et les guerres idéologiques qui ont façonné le monde pendant les 70 dernières années. C'est pourquoi nous, Africains, nous trouvons insultant les cases, les classements qui tantôt nous placent sous influence des Américains, tantôt sous celle des Anglais, tantôt des Français, tantôt des Chinois, des Russes et même des Turcs. Nous ne sommes ni pro ni anti-américains, ni pro ni anti-chinois, ni pro ni anti-français, ni pro ni anti-russe, ni pro ni anti-turc. Nous sommes tout simplement pro-africains. C'est tout.